Essentiel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, arc-en-ciel au cœur du Maroc. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Mesdames et messieurs, de retour à l'antenne et actualité oblige comme décision inattendue hein, dans la sortie de l'Angleterre de l'espace européen. C'est une décision de lourdes conséquences, soit sur le plan européen, mais certainement aussi sur le plan international. Tous les experts en parlent et nous sommes heureux aujourd'hui, à notre petite échelle, de parler de cet impact par rapport à nos pays d'origine, notamment au Maghreb. Et nous sommes heureux de recevoir parmi nous ce jour l'expert financier et bancaire, c'est Ashraf Al-Iyadi. Marhaban et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Marhaba bik, c'est Abd Latif. Merci à vous pour l'invitation. Bonjour à tous vos auditeurs. Marhaban, c'est Ashraf Al-Iyadi. Ramadan Karim, alik wa la'ila diyalik wa al-shab tunusi, aina makan wa l'umma al-arabi al-muslima. Monsieur Ashraf Al-Iyadi, vous êtes un homme de domaine, vous êtes un homme qui connaît les rouages, surtout sur le plan financier. Nous souhaitons à travers vous, vis-à-vis de nos auditeurs et auditrices, qui sont partout un petit peu maintenant dans le monde, comprendre un petit peu le mécanisme et son impact, et surtout, spécialement par rapport au pays du Maghreb. Déjà, le fait que l'Angleterre a pris cette décision, c'est une première. Dans un moment où l'Angleterre n'est pas en difficulté, dans un pays qui est en pleine expansion, et surtout un pays qui était toujours un cas unique parce qu'il n'a jamais fait partie de l'espace Schengen. Oui, absolument. D'abord factualiser, il faudrait peut-être factualiser un tout petit peu ce qui se passe, hein. Mm-hmm. Ce qui s'est passé surtout le vendredi 24. Le vendredi 24, on a vu une chute extrêmement forte des bourses européennes et même internationales, du moins de 12% pour Madrid, pratiquement moins 8% pour le CAC 40, l'indice Eurostoxx qui est l'indice de référence en Europe, moins 8,6%, c'est des baisses extrêmement fortes, aussi des baisses extrêmement fortes dans les places asiatiques, comme au Nikkei au Japon, moins 7,9%, pratiquement 8% en une seule journée. Les principales valeurs qui ont perdu énormément de leur poids, c'est surtout les valeurs financières. Pour vous dire, en une seule journée, des banques comme Barclays ont perdu 14-15% de leur valeur. L'impact est extrêmement fort et l'argent qui a été perdu, qui a été carbonisé en une seule journée, ressemble beaucoup à la situation que nous avons vécue en 2008 lors du départ de la crise financière mondiale. Donc ça, c'est pour planter le décor et pour factualiser un tout petit peu dans quel contexte on est. Mmh. Alors, l'équivalent du ministère des Finances de l'Angleterre a fait une étude pour essayer de déterminer quels seraient les impacts sur l'économie anglaise. Sur l'économie anglaise, une baisse du PIB jusqu'à moins 3,6%, une hausse de l'inflation de plus de 3%, un nombre de chômage supplémentaire de pratiquement un demi-million de personnes. L'impact sur l'économie britannique, il est extrêmement fort. Et voilà. Maintenant, on revient à votre question essentielle, quel est l'impact sur les pays du Maghreb? Alors, il faut rappeler les grands principes économiques, c'est
quels sont les relais de contagion d'une crise économique et financière? Parce qu'on en est là, hein, mm-hmm. on est au point de faire comparer ce qui s'est passé vendredi à la crise de 2008 quand même, c'est quand même énorme. Donc d'abord, il y a deux relais. Il y a le relais financier, donc lorsque les bourses chutent, les investisseurs étrangers sur ces bourses qui ont acquis des titres, des actions, des obligations, des contrats dérivés, des monnaies, etc., perdent une partie de leurs actifs et peuvent aussi, dans la panique, être amenés à vendre moins cher que le dernier prix de cotation du produit financier qu'ils ont acquis. Donc, et ils souhaitent récupérer au plus rapide possible une partie de leur mise. Or, ce relais financier-là, il n'est pas le relais de contagion par excellence pour les pays du Maghreb, puisque les pays du Maghreb ont des monnaies qui ne sont pas convertibles, qui ne sont pas disponibles à l'achat et à la vente sur les marchés financiers du Forex, du Foreign Exchange. Et donc, du coup, que reste-t-il? Reste le relais commercial. Donc, le relais commercial, c'est que dans le sillage de la crise en Grande-Bretagne, bah, en fait, l'Europe, l'Union européenne, le premier partenaire, je dirais, commercial du Maghreb, bah, en fait, il va aussi ressentir le contre-coup. Et en ressentant le contre-coup, eh bien, il se trouve qu'il pourrait y avoir des fournisseurs, des clients qui réduiraient leur carnet de commandes auprès de leurs fournisseurs maghrébins, donc perte sèche de chiffre d'affaires. Il pourrait y avoir aussi une revue de la structure, en quelque sorte, des échanges de l'Union européenne, une sorte de repli, c'est-à-dire remplacer un approvisionnement immédiat auprès des pays de l'Est que de s'adresser plutôt aux pays maghrébins pour s'approvisionner. Aussi, la baisse du produit intérieur brut, globalement, due à la baisse de la croissance, peut impacter les revenus. Donc, les gens partiraient moins en vacances. Le tourisme pourrait s'en ressentir. Les agences de voyage, les compagnies aériennes peuvent en ressentir les contre-coups. Et après, en fait, mais en même temps que ces risques, il peut y avoir aussi des opportunités. Parce que la Grande-Bretagne aujourd'hui, une fois finalisée la négociation de sa sortie, parce que sa sortie, ça va prendre des mois, voire des années, en fait, elle devra renégocier tous les accords bilatéraux existants aujourd'hui entre l'Union européenne et les pays du Maghreb. Donc, il y a des opportunités nouvelles de négocier directement avec la Grande-Bretagne des zones de libre-échange, des modalités particulières dans l'export-import, etc., etc. Et la Grande-Bretagne sera demandeuse puisque une partie significative des produits consommés en Grande-Bretagne viennent de l'extérieur. C'est une économie insulaire. On ne produit pas tous les produits, de consommation sur place. Donc l'importation de produits et services est importante. Ça peut laisser une marge de manœuvre de remplacement d'un certain nombre de fournisseurs européens par des fournisseurs maghrébins. Donc pour résumer, les relais de la contagion pourrait se retrouver beaucoup plus sur le volet commercial que sur le volet financier. Les risques existent, mais en même temps que des opportunités qui peuvent aussi être créatrices d'emplois, locomotives de développement d'un certain nombre de secteurs pour les pays maghrébins. Monsieur Ashraf Al Ayadi, est-ce que le fait que l'Angleterre sort et qui va pendant un certain temps souffrir de cette sortie, hein, comme vous l'avez bien expliqué, ne peut pas être une porte de sortie aussi pour l'Europe en tant que telle? Alors, ça ouvre la porte en tout cas, et ça impose à l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui de se remettre en cause. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas les pays européens qui sont partenaires depuis fort longtemps de l'Angleterre qu'il s'agit. Enfin, il ne s'agit pas d'un conflit, je dirais, avec les pays européens. Il s'agit d'un conflit sur les bases de la construction européenne, un conflit avec la bureaucratie de Bruxelles, avec la bureaucratie européenne. C'est ça le problème. Même si, historiquement, et ça, il faut voir que Charles de Gaulle a refusé par deux fois que l'Angleterre, que la Grande-Bretagne entre dans la zone le marché commun, qui était composé au départ par six pays, il était aussi Churchill à la fin de la guerre. Il disait aux pays européens, mais regroupez-vous, créez une Europe des nations de votre côté, etc. Mais sans nous, parce que nous, notre partenaire privilégié, c'est les États-Unis. C'est Churchill qui l'a dit.
Et ouais, c'est exactement la ligne, et c'est quelque part la résonance de cette ligne, de cette philosophie, de cette approche à la fois culturelle, patriotique, particulière, que nous retrouvons aujourd'hui dans le vote, dans le résultat du vote. Je pense que le résultat de ce vote mettra la pression sur l'Union européenne pour revoir le mode de fonctionnement actuel, qui visiblement ne convient pas à tout le monde. Le départ de la Grande-Bretagne pourrait ouvrir l'appétit à d'autres pour tenter de sortir également. Et pour leur barrer la route, c'est une réforme en profondeur de Bruxelles, de la Commission européenne de Bruxelles, qu'il va falloir engager. C'est une entreprise périlleuse dans laquelle ils vont s'engager, les Européens, et je pense qu'il va y avoir encore de la déperdition et visiblement d'autres sorties, parce que il faut suivre le résultat des élections en Espagne aujourd'hui, avec une victoire de Podemos par exemple, qui sont plutôt pas à droite mais plutôt à gauche. Ça renforcerait en quelque sorte la montée des mouvements citoyens, 5 étoiles en Italie, Podemos en Espagne, et puis les extrêmes droites qui vont se voir pousser des ailes supplémentaires pour essayer de dire dans chaque pays, nous aussi, on veut un référendum, exactement. Nous aussi, on exactement. Veut donner la voix aux citoyens et aux électeurs pour dire, nous aussi peut-être, ça nous intéresse, et c'est peut-être dans notre intérêt, dans l'intérêt de notre souveraineté nationale, de prendre notre indépendance de la Commission européenne de Bruxelles. Voilà. Ma dernière question, je crois que vous suivez un petit peu l'évolution du Maroc avec cette notion de se diversifier par rapport à ses partenaires. Donc, on l'a vu, le roi a fait un certain nombre de déplacements en Inde, en Russie, dans d'autres pays, en Chine récemment. Et est-ce que la Tunisie actuellement fait pareil? C'est une question directe. Et la deuxième, est-ce que c'est la bonne voie, vu ce qui est en train de se passer actuellement, notamment dans le partenaire traditionnel, l'Europe? Alors, moi, je vais être extrêmement franc avec vous. Nous, Tunisiens, nous voyons avec beaucoup de, avec beaucoup de gourmandise, mais avec beaucoup de regret, lorsqu'on voit notre situation aujourd'hui, ce qui se passe au Maroc. C'est-à-dire, autant nous sommes contents de l'évolution positive des choses sur le plan économique au Maroc, la multiplication des grands projets au niveau du solaire, de TGV, le Tanger, etc. Autant nous sommes frustrés par notre incapacité institutionnelle aujourd'hui, parce que soi-disant la construction démocratique et la transition démocratique est en train de tarder à nous montrer des fruits concrets. Donc nous ne sommes pas capables aujourd'hui de suivre la volonté affichée par le roi du Maroc pour se diversifier. Oui, la diversification est la voie qu'il faut suivre, parce qu'il ne faut pas dépendre d'un seul partenaire commercial ou d'un seul bailleur de fonds pour faire marcher l'économie. Il faut essayer de diversifier, et pour diversifier, il va falloir discuter avec des partenaires, trouver des compromis, des voies de négociation, parce que si vous voulez, l'échange de biens et services est censé être, dans la théorie, profitable à tout le monde, mais les déficits commerciaux que l'on accuse sont liés à ce que l'on importe beaucoup plus que l'on exporte par rapport à un partenaire qui, lui, en compensation, n'investit pas assez dans notre économie. Donc il va falloir discuter commerce, mais aussi investissement direct étranger, et je vois bien aussi que les Chinois ont compris le deal et qu'ils vont marcher dans le coup. Je pense qu'on ne peut être qu'optimiste sur le plan économique, on ne peut être qu'optimiste pour le Maroc, et j'espère que la Tunisie retrouvera des couleurs, trouvera un leadership plus innovant, plus jeune, capable de voir plus loin que les quelques sièges à remplir et les quelques intérêts et les quelques morceaux de tarte à distribuer aux uns et aux autres, pour pouvoir rattraper le retard que désormais nous accusons par rapport à nos frères marocains, que nous saluons, que nous encourageons,
et que nous, dont nous suivons les pas avec beaucoup de satisfaction et d'appétit, comme je vous ai dit, être gourmandise, parce que nous attendons aussi, côté tunisien, que notre heure vienne prochainement, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah, c'est tout le vœu qu'on peut souhaiter à notre deuxième pays, à la Tunisie, et surtout la paix et la stabilité. Et nous sommes heureux comme quoi il y a des campagnes publicitaires maintenant à la télé française, ce que j'ai vu là sur une chaîne télé française sur la promotion du tourisme en Tunisie. Et la personne qui s'est intervenue, il a fait une belle intervention, il a parlé maintenant, on parle plus du soleil et de la mer, mais on parle soleil, mer, mais aussi on rajoute la sécurité dans notre promotion. Donc, quelque part, c'est une prise de conscience, tant mieux. Mais moi, je pense qu'il y a toujours une possibilité aussi qu'il faut pas l'oublier. Le Maroc était toujours solidaire par rapport à la Tunisie. Le grand Maghreb, je pense, avec les défis que nous vivons actuellement, il est temps d'y réfléchir, il est temps d'y penser autrement, et surtout avec la diaspora. Oui, absolument. Et de toutes les façons, je vais saisir l'occasion de renouveler un appel que j'ai déjà fait sur une chaîne de grande écoute. Et j'ai été écouté, on m'a confirmé que j'ai été écouté au palais, mais je le renouvellerai encore. Il va falloir mettre un terme à la bisbille Algérie-Maroc le plus rapidement possible. Et moi, je pense que pour l'histoire, rien que pour l'histoire, le roi du Maroc pourrait être le premier à tendre la main, et ce serait tellement positif, tellement historique pour la construction maghrébine. La construction maghrébine, elle a tardé, trop tardé politiquement, et il va falloir trouver le moyen de créer une rupture dans l'histoire et de créer l'histoire. Voilà. Inch'Allah. Merci, Ashraf Al-Iyadi, Sahaf Torak, wa kullu am wa anta bi khair wa anta wa ila diyalik. مع السلامة أخي مع السلامة شكرا شكرا Rebonjour et bienvenue encore à l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Et nous sommes heureux d'avoir au bout de la ligne notre professeur Camille Sari qui nous a fait l'honneur de participer avec nous au Salon Savinour à Lyon pour parler ce jour de cette actualité très 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 chaude, la sortie de l'Angleterre et son impact cette fois-ci politique. Mais aussi économique après l'analyse financière de M. Ashraf Al-Iyadi. M. Camille Sari, bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Bonjour, bonjour. Marhaban et bienvenue dans cette émission dont vous êtes coutumier. Ramadan Karim alik wa ala ila dialek. Merci Ramadan Karim alik. Voilà, barakallahu fik. Et merci encore une deuxième fois par rapport à votre participation à Salon Savinour où vous avez participé activement à côté d'un grand nombre de professeurs à l'échelle internationale et de partenaires économiques. Ma question, commissari, est la suivante. Après l'impact financier qui a été développé par Ashraf Al-Iyadi, certainement il y a un impact politique vis-à-vis des pays du Maghreb. La sortie de l'Angleterre de l'Union européenne, que pensez-vous? Tout d'abord, il faut déplorer cette mésaventure là qui a été enclenchée par Monsieur David Cameron, le Premier ministre britannique, qui pour des raisons politiciennes, purement politicienne, pour régler des comptes avec une frange de eurosceptiques de son parti, le Parti conservateur, avait promis un référendum après les élections législatives. Et donc, c'était lui, il pensait, il était persuadé qu'il allait gagner d'abord les législatives et ensuite le référendum. Et donc c'est lui qui a eu cette idée d'organiser ce référendum qui est une vraie boîte de Pandore parce que il y a l'aspect politique qui est évident, c'est la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, mais on voit déjà l'Écosse qui commence à demander l'organisation d'un référendum
pour l'indépendance de l'Écosse et puis pour l'adhésion à l'Union européenne, puisque les Écossais sont connus pour leur fibre européenne, et ils ont déjà saisi la commission de Bruxelles qui leur a dit, ben, vous voyez d'abord avec votre gouvernement, puisqu'ils ne sont pas encore indépendants. Et puis, il se pourrait que comment on dit, des catholiques de l'Irlande du Nord vont demander aussi leur indépendance ou leur rattachement à la République d'Irlande, pour la raison bien simple que désormais, il y aura une frontière entre les deux Irlandes. Cette frontière était effacée par les accords européens, mais maintenant, elle peut ressurgir. Et c'est tout ça vient dans un contexte au mensonge de beaucoup d'allégations sur l'arrivée de millions d'immigrés au niveau du territoire britannique. Et là, on voit que ces mensonges vont se retourner contre leur instigateur, mais peut-être c'est déjà trop tard, parce que jusqu'à maintenant, la frontière, si je puis dire, terrestre de cette île de Britannique, c'était à Calais, c'était en France, c'est-à-dire que la France jouait le gendarme pour empêcher l'arrivée d'immigrés sur le territoire britannique. Mais là, cette frontière va tomber, c'est-à-dire que les Français, ils vont dire, bah, maintenant, débrouillez-vous, s'il y a quelqu'un qui veut traverser, qui veut aller, on va pas l'empêcher. Et puis, ça va accroître les difficultés économiques sur le Royaume-Uni, s'il est encore uni dans les années à venir, parce que si en cas de scission de l'Écosse, les exploitations pétrolières, il faut savoir qu'ils sont dans les eaux territoriales, à moitié sur l'Angleterre, l'autre moitié sur l'Écosse. Donc il y aura toute une discussion sur le partage de cette manne pétrolière. Et puis Monsieur Camus, déjà. sur ce point, est-ce que vous croyez que la reine va accepter ça? Non, mais la reine n'a pas de pouvoir. La reine a un pouvoir symbolique. Non, je parle Quand elle sur celui prononce. d'esclocage de... Oui, mais la reine n'a aucun pouvoir. C'est une monarchie parlementaire. Là, il faut savoir que la reine, quand elle prononce le discours d'investiture du Premier ministre, c'est le Premier ministre qui le lit. D'ailleurs, si tout le monde, et c'était titré même dans les journaux français, tout le monde demandait un geste de la part de la reine Elisabeth pour un geste, un signe de dire voter pour le maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne, mais ceci n'est pas venu parce que elle serait en porte-à-faux avec les autres franges. Elle observe une neutralité dans le débat politique depuis maintenant des centaines d'années, on va dire. Et en plus, c'est pas son intérêt de s'impliquer dans un débat, parce qu'il y a quand même 52% qui ont voté pour la sortie. Donc, elle va pas, même si elle a un point de vue différent, elle va pas aller à l'encontre des 52%. Et puis, en plus, elle n'est pas responsable ni moralement ni politiquement de ce qui s'est passé. C'est le Premier ministre qui l'a enclenché. Donc certains prévoient une baisse du PIB britannique de 10%, mais moi je pense que le Royaume-Uni va perdre vraiment son aura, même sa place financière, elle est menacée. Et puis les entreprises qui utilisaient le Royaume-Uni comme un tremplin vers l'Union européenne, je pense surtout aux sociétés américaines, mais il n'y a pas que les sociétés américaines, eh bien, ils vont réfléchir deux fois. Ils ont pas intérêt maintenant à aller à Londres. Ils peuvent choisir une autre capitale qui est au cœur de l'Europe. Et l'impact, M. Camille, par rapport au Maghreb, notamment sur le plan politique et économique. Bon, y a deux choses. L'Algérie n'exporte pratiquement que le gaz. Le gaz. Et là, ce sont des contrats internationaux
qui les prix sont fixés par les marchés internationaux. Donc, il y aura pas beaucoup de débats là-dessus. Il y aura pas beaucoup de débats là-dessus, mais le Maroc, par exemple, avait et a toujours des exportations et aussi des importations en direction et au retour du Royaume-Uni. Donc, ces accords-là, ils vont tomber à l'eau. Enfin, les accords entre le Maroc, je ne dis pas entre le Maroc et l'Union européenne, mais entre le Maroc et le Royaume-Uni. Royaume-Uni. Donc, tout ça va changer.